Et voici qu'à plus de 125 km de l'arrivée, Gemignani, fausse compagnie au peloton. 28e du classement général, avec 22 minutes de retard sur le maillot jaune Loredi, Raphaël a décidé de tenter sa chance. Il a bien calculé son coup, personne ne lui donne la chasse, et le peloton, qui continue sa promenade, le laisse grignoter de précieuses minutes. Et il va arriver au sommet avec quelques secondes d'avance sur ses poursuivants, dont le premier ne sera autre que le grand filiforme Gérard Saint, qui passe donc deuxième au sommet, alors que le peloton, vous le voyez, suit à quelques secondes seulement. Les écarts ne sont pas assez importants pour que ce col de Bussang, situé trop loin de l'arrivée, puisse faire la décision. Dans la descente sur Bussang, Gérard Saint rejoint Bergot. Fanno fatica, però vedi anche nelle unità del gruppo